القطاع البنكي الجديد يوافق قناعات شريحة مهمة من المجتمع، حرصاً منها على مشاركة الجميع في تنمية الاقتصاد الوطني على أسس تكاملية بين كل الفاعلين. Banque Liosr, la banque participative du groupe Banque Populaire, organise aujourd'hui la deuxième édition de son colloque scientifique. Nous avons choisi comme thème le rôle de la finance participative dans le développement économique. Vous avez suivi avec nous des éminentes interventions de nos invités que nous sommes fiers de recevoir aujourd'hui. Nous allons tout de suite enchaîner sur un premier panel qui va dresser le bilan de cette finance participative 2 ans après son lancement. Et puis nous enchaînerons sur un deuxième panel qui va dresser un peu le tableau de tous les produits et faire le bilan de tous les produits participatifs qui concernent l'entreprise dans le monde. Mais aussi nous allons enchaîner sur les produits participatifs adressés à l'entreprise marocaine. Alors Banque Liosr, c'est donc, je le répète, la filiale participative du groupe Banque Populaire. Nous sommes autorisés depuis juillet 2017 à exercer donc la finance participative et nous sommes une banque qui est étendue sur pratiquement toutes les régions marocaines. Nous avons un réseau de 7 agences, mais nous passons à 12 agences dans pratiquement 2 mois. Et voilà, nous nous adressons en fait à l'ensemble des segments de clientèle, tant les particuliers, les professionnels que l'entreprise. Et nous sommes à même de répondre à pratiquement l'ensemble des besoins. Nous sommes à l'écoute de notre clientèle. Nous sommes sans cesse en train de nous remettre en question, de trouver le moyen de répondre de la meilleure manière possible et en conformité, vous avez vu, avec toutes les prérogatives donc, du Conseil supérieur des ulémas. Donc, trouver le moyen de répondre à cette clientèle et de participer justement à la construction de l'économie marocaine. ولما تستشعره من مسؤولية تتطلب منها أن تساهم في تنمية هذا القطاع بما يعود بالنفع على الزبناء وعلى الوطن ولتحقيق التكامل المطلوب وللسير بخطى واثقة ورزينة وذات مصداقية